Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission « À l'origine ». L'homme est un organisme absolument incroyable, capable de s'adapter à son milieu, quelle que soit l'époque, le climat, l'environnement dans lequel il va se développer. Nous parlons souvent de l'influence de l'homme sur le monde, mais nous parlons trop rarement de l'influence du monde sur l'homme. Et pour développer cette thèse, j'ai l'immense privilège de recevoir aujourd'hui Boris Cyrulnik. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous venez d'éditer ce livre, Boris Cyrulnik, des âmes et des saisons. Quelle est, d'après vous, l'approche que nous devons avoir des fameuses niches sensorielles dont vous parlez souvent à travers vos écrits, c'est-à-dire quelle est l'influence du milieu sur l'individu et comment l'homme s'est développé à travers les différentes expériences qu'il a dû affronter ? Alors, la civilisation occidentale est la seule à faire naître le bébé le jour de sa naissance. Les Asiatiques et beaucoup d'Africains, lorsque le bébé arrive au monde, fêtent son premier anniversaire. Et c'est bien vu, c'est que la première niche sensorielle, c'est le ventre des femmes. L'utérus, avant la conception, le monde mental que créent les futurs parents, dans l'utérus, c'est un habitat, c'est notre premier habitat. On a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. On avait des branchies qui sont devenues les oreilles internes et on a vécu dans 9 mois dans un milieu aquatique. Puis ensuite, on est arrivé au monde et la deuxième niche sensorielle, ça a été celui du corps des femmes avec un homme très près d'elle et différent d'elle, le père dans notre culture. Cette niche-là, elle est affective, alors que la première est encore très biologique, même si déjà l'histoire de la mère modifie la biologie de l'utérus. Et la troisième niche, c'est celle qui est spécifiquement humaine, c'est celle des récits, le monde des représentations verbales, des représentations quotidiennes et des grands récits qui nous entourent et qu'on ressent physiquement. À partir de quel moment est-ce que nous pouvons considérer que le bébé a une prise de conscience de passer de la première niche dans le ventre de sa mère à la niche où il est à l'extérieur et il est maintenant sur Terre, dans le monde, aux côtés donc de sa mère et de son père ? Alors, j'aurais pas dit prise de conscience, mais j'aurais dit perception d'un autre monde. Quand il est dans le monde aquatique, des 9 mois de grossesse, il perçoit déjà les émotions de sa mère, mais les émotions de sa mère sont médiatisées par les substances du stress. Si elle est heureuse, elle va sécréter l'ocytocine et le bébé va en profiter. Si elle est malheureuse, quelle que soit la cause de son malheur, son histoire, son mari, sa famille, sa culture, la guerre, etc., la précarité sociale, beaucoup, à ce moment-là, le bébé perçoit un autre monde parce qu'il perçoit les substances, il reçoit les substances du stress. Et quand il arrive dans le monde affectif, son monde s'élargit. Et il prend conscience du changement de monde quand il parle. Il commence à parler très tôt, mais c'est des mots sensoriels avant d'être des mots qui désignent quelque chose qui n'est pas là. Et c'est seulement vers l'âge de 6 ans, 6-7 ans, qu'il a accès aux grands récits et qu'il éprouve les grands récits. À ce moment-là, il sait qu'il prend conscience et il sait qu'il appartient à cette famille, à cette culture, à cette religion, à cette histoire. Et c'est seulement très tard, quand il devient lui-même capable de faire des récits. Vous expliquez dans votre ouvrage que le cerveau est circuité, c'est-à-dire qu'il va se construire et se développer dans toutes les étapes de sa vie. Est-ce que déjà bébé, est-ce qu'il y a ce circuit qui se met en place pour justement ressentir toutes les sentiments de sa mère ? Alors le circuit se met en place dès l'utérus, peut-être pas dès les premières divisions cellulaires, où là, c'est des divisions cellulaires qui subissent la pression du milieu chimique. Mais dès que le bébé est en place, c'est plus les cellules, c'est le bébé. Dès que le bébé est en place, il perçoit la formule chimique des émotions de sa mère. Si sa mère est stressée, elle va augmenter ses hormones du stress, le cortisol, les catécholamines, il y en a beaucoup d'autres, mais celles-là, c'est les deux vedettes. Et le bébé, à ce moment-là, va déglutir. Alexandre Minkowski venait travailler avec nous et il avait demandé de calculer. Le bébé déglutit plusieurs litres de liquide amniotique
par jour, bourré de substances, du stress, à cause du malheur de sa mère. C'est-à-dire que ce n'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une cascade de causes qui fait que le bébé déglutit du cortisol et des catécholamines, l'adrénaline entre autres, hein, et que ces substances-là abîment les circuits limbiques de son cerveau. Shaul Harel, avec qui je travaille à Tel Aviv, Shaul Harel a été probablement le premier, ou à coup sûr un des premiers, à montrer que quand les femmes enceintes sont stressées par la guerre, par le malheur, par quelle que soit la cause, le bébé arrive au monde avec des altérations cognitives qu'on sait photographier. Si j'arrête mon raisonnement, là, vous allez être désespéré. Effectivement, c'est la question que j'allais vous poser. Alors, est-ce que, du coup, cet enfant va être enfermé dans cette réalité qui le dépasse, du coup, sur lequel il n'a pas d'influence ? Alors, je vais vite ajouter une phrase. C'est-à-dire que, si on ne fait rien, le bébé est prisonnier du malheur de sa mère. Mais qui nous demande de rien faire ? Dès que sa mère est sécurisée, le bébé retrouve la niche sensorielle sécurisante et son cerveau recommence à se reconstruire. La résilience neuronale commence dès que sa mère est sécurisée. C'est la mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte et il se débrouillera pour extraire tout ce dont il a besoin. Si jamais cet enfant n'est plus aux côtés de sa mère, soit parce qu'il y a malheureusement un deuil ou qu'il est enlevé du milieu familial, est-ce qu'il aura malgré tout la possibilité de se reconstruire et d'avoir des forces positives pour être face à sa vie ? Voilà, alors si on laisse la mère seule, le bébé est prisonnier du passé, prisonnier du malheur de sa mère. Si la mère meurt ou si la mère est malade ou une tragédie de la vie, il faut qu'on propose au bébé tout de suite un substitut maternel, un substitut affectif. Ça peut être la grand-mère, ça peut être une puéricultrice, ça peut être un homme. Les hommes peuvent être de bonnes mères aussi, à condition de ne pas donner le sein. Mais si, ils peuvent très bien sécuriser. C'est pour ça que je proposais l'expression tout à l'heure, le père doit être près de la mère, très tôt, et différent de la mère. Et si un malheur de la mère, le bébé aura un substitut affectif qui lui permettra quand même de continuer. Non pas le développement qu'il aurait eu, mais un bon développement quand même, mais avec une petite trace qui fait que ça sera un développement bon, mais particulier. Il y a une notion qui m'a beaucoup touché, moi, en tant que rabbin. Vous parlez également de l'influence des mots, l'influence de la parole sur l'enfant, et vous parlez dans une double dimension, les mots que l'on adresse à un individu, quand je dis enfant, ce n'est pas nécessairement un enfant, un être humain, et les mots qu'il s'adresse à lui-même, en se disant, par exemple, « je ne suis pas capable de ». Et vous expliquez que, en fait, il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps, que l'on ressent les choses et qu'il y a une influence directe entre ma perception des choses et le développement de mon corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement cette force des mots sur l'individu ? Alors, au départ, notre culture occidentale, on est parti de Descartes, hein, comme la plupart des Occidentaux et beaucoup d'autres pays. Et il a clivé la représentation de l'homme, c'est-à-dire d'un côté le corps, substance étendue, manipulable, et dans ce cas-là c'est la démarche expérimentale, merci Descartes, mais de l'autre côté l'âme sans substance et sans étendue. Donc c'est pas la peine, on ne pourra jamais réfléchir à l'âme, elle est donnée, elle est parfaite ou elle est maléfique et on ne pourra jamais y réfléchir. Et là, pas merci Descartes. En revanche, en fréquentant Spinoza, on sait exactement les gestes que vous avez faits, c'est-à-dire que le cerveau produit la parole qui modifie le cerveau. Donc, et ça, on le maintenant avec la neuroimagerie, ce que je viens de proposer, on le photographie. Je crois qu'à Toulon, où je travaille, où j'enseigne, on a été parmi les tout premiers à montrer que quand la mère parle, la femme enceinte parle, les hautes fréquences de son corps sont filtrées. Les hautes fréquences de sa voix sont filtrées par son corps et surtout par le liquide amniotique. Les basses fréquences, au contraire, sont très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique. Ce qui revient à dire que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et ça, on l'a rendu observable avec l'échographie qui est légale maintenant. Quand la mère parle et quand elle a une émotion, le cœur du bébé est synchrone à les émotions maternelles et il bouge, il réagit. Très tôt, lorsque le bébé arrive au monde,
lorsque la mère parle et qu'on fait au bébé une résonance magnétique et qu'on regarde son cerveau fonctionner, ce qui n'est ni dangereux, ni c'est pas intrusif du tout, on regarde, on voit son cerveau fonctionner, ce qui techniquement est stupéfiant, et on voit que quand la mère s'adresse au bébé, elle stimule un repli du lobe temporal gauche qui va devenir la zone du langage. C'est-à-dire que quand elle parle, plus elle parle au bébé, plus elle transforme cette zone cérébrale, elle la transforme à ce qui va être la zone du langage. À 10 mois, un bébé peut comprendre 10 mots, mais les mots désignent un monde proche autour du bébé. Le ballon, le biberon, papa arrive, donc c'est un monde proche. À 20 mois, entre 20 et 30 mois, il y a une explosion du langage et le bébé comprend que les mots qu'il perçoit désignent quelque chose qui est imperceptible, qui est impossible à percevoir. Et là, déjà, on a l'articulation du signifiant avec le signifié. Et puis, on constate qu'à ce moment-là, la zone cérébrale est transformée, circuitée en zone du langage. Et quand on bavarde autour du bébé, les adultes bavardent, c'est la première présentation du monde. Il y a des malheurs, il y a des bonheurs. On présente le monde au bébé. Et c'est seulement plus tard qu'il a accès au grand récit. Tu appartiens à cette culture, tu appartiens à cette famille. C'est donc une ontogenèse biologique et mentale. Et on sait maintenant que quand les enfants, quand nous, êtres humains, on arrive au monde des mots, les mots qu'on prononce provoquent des émotions. Et ces émotions sont ressenties dans notre corps. Si je fais un récit sécurisant et dynamisant, je vais augmenter la sécrétion d'ocytocine chez l'enfant qui entend ça ou chez l'adulte qui entend ça. Si au contraire, je fais un récit de malheur constant, un récit d'angoisse constant, c'est d'autres substances qui vont être sécrétées. Si je vous insulte, avec une convention des signes, la double articulation du langage humain, je vous insulte, vous allez pâlir, vous allez serrer vos vaisseaux, votre cœur va s'accélérer, vous allez augmenter la sécrétion de vos hormones du stress. C'est-à-dire que, en articulant une parole, je modifie votre biologie. Et on voit maintenant que les croyants, ça c'est Gaston qui a été un des premiers à faire ce travail à Marseille, les croyants sont anxieux. Monsieur, madame, vous êtes croyant? Oui. Voulez-vous qu'on vous fasse un électroencéphalogramme? Je veux bien. Et à ce moment-là, on voit que dès que le croyant se met en prière, les spikes, les pointes s'effacent et le rythme alpha de 8 cycles secondes réapparaît. C'est-à-dire la vigilance décontractée. Donc c'était une des premières manifestations. Parler, mais pas dire n'importe quoi, il faut que les mots désignent quelque chose d'impossible à percevoir. Donc c'est créer un monde avec nos mots, et ce monde concret modifie la manière dont fonctionne notre cerveau. Cela nous renvoie directement dans l'approche biblique de la création, de la parole créatrice de Dieu. Une parole finalement qui accompagne tout le récit de l'histoire de la Bible avec la création du monde, une parole qui va se manifester pour libérer les enfants d'Israël d'Égypte, une parole qui va se manifester pour donner la loi, donc le cadre dans lequel nous devons évoluer, et bien évidemment l'interdiction du Lashon Hara en hébreu, de la mauvaise parole, du mauvais langage sur un individu. Et nos maîtres nous disent, parce qu'une mauvaise parole peut tuer l'autre. Donc on le comprend tout à fait ici, pas physiquement, mais quelque part il y a une influence directe sur la personne. Mais c'est physique, une malédiction, il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Et la malédiction agit sur le corps et peut tuer, rendre malade, rendre dépressif, arrêter et modifier le fonctionnement cérébral. Je n'y arriverai jamais, je suis maudit, je suis chassé de cette culture, je suis malheureux, je sécrète les substances du stress et du malheur. Donc une parole agit sur le corps. Est-ce que ce sont nos traumatismes qui nous enferment et qui nous poussent à prononcer ce genre de paroles sur nous-mêmes en disant « je ne suis pas à la hauteur », ça veut dire que j'ai eu des échecs desquels je n'ai pas pu m'en sortir ou je n'ai pas suffisamment travaillé et donc je reste avec cela et ça me suit tout au long de ma vie. Alors voilà, ce que vous venez de dire, c'est presque la définition du syndrome psychotraumatique. Je suis prisonnier du passé. Je ne pense qu'à ça. Comme disent les gens dans la vie quotidienne, je ne m'en sors pas. Et c'est une bonne explication. Je vois que ça, tout ce qu'on me dit évoque mon malheur. Je suis prisonnier du passé. Mais
si je fais l'effort de m'adresser, s'il y a une altérité autour de moi, et si je fais l'effort de m'adresser à un autre, je vais donc interpréter les mots, je vais choisir les mots pour interpréter le fait de façon à lui donner une cohérence de phrase, de récit que je vais adresser à un autre. Donc l'intention d'adresser mon récit à quelqu'un qui me sécurise ou en qui je fais confiance modifie non pas le fait je l'ai reçu, la blessure je l'ai reçue, mais modifie la représentation du fait, je ne suis plus prisonnier du passé. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre ouvrage. Souvent, on entend, en tout cas moi j'entendais de mon côté, que le passé a une influence sur notre présent. Mais vous avez une vision novatrice sur le sujet, où vous dites que non, la lumière de mon présent va éclairer mon passé. C'est-à-dire que je vais chercher, lorsque je vis par exemple un événement positif, je vais chercher dans mon passé ce qui a pu être à l'origine de cet événement positif. Est-ce que vous pouvez nous développer cette thèse ? Alors, ce qu'on comprend maintenant dans les phénomènes neurologiques de la mémoire, c'est que la mémoire est intentionnelle. On va chercher dans son passé les images, les mots, dont on va faire un agencement de phrases, de récits qu'on va adresser à quelqu'un. Si vous me mettez en confiance, il m'est arrivé un malheur, mais vous me mettez en confiance, je vais chercher des images, des mots, je ne vais pas mentir, je vais les agencer et je vais vous les adresser pour que vous me disiez, que votre réaction me dise qu'est-ce que je dois en penser, comment je dois l'interpréter. Parce qu'on interprète le monde qu'on perçoit. On sélectionne, on ne perçoit presque rien du monde. Donc c'est déjà une interprétation. Si je ne suis pas en confiance avec vous, je me méfie, vous ne me sécurisez pas, ou je suis mal parce que chez moi, dans ma vie, quelque chose m'est arrivé, j'arrive pas à m'en sortir. Je vais chercher dans mon passé, intentionnellement, je vais chercher dans mon passé d'autres images, d'autres mots que je vais agencer pour mal vous les adresser. Donc, à ce moment-là, je ne vais pas mentir. Et pourtant, je vais faire deux récits totalement différents et je ne vais jamais mentir. Simplement, ce que je suis au présent va chercher. C'est à la lumière du présent que j'éclaire le passé et que je vais chercher des images et des mots dont je vais faire un récit, parfois une merveilleuse histoire, parfois une histoire douloureuse, parfois les deux, la plupart du temps. Il y a un va-et-vient entre les histoires douloureuses et les histoires merveilleuses, mais en faisant l'effort de comprendre, en faisant l'effort de s'adresser à quelqu'un avec qui on se sent en confiance, on métamorphose, non pas le réel, mais on métamorphose la représentation du réel. Je ne suis plus prisonnier du passé. Nous avons abordé la niche sensorielle de la mère, la niche de la parole. Et bien évidemment, il nous reste la troisième, celle du climat sur l'individu. Alors, vous commencez votre ouvrage en donnant cet exemple du peuple népalais. Qui, selon l'endroit où il vit, que ce soit en haut des montagnes ou dans les plaines, qui va avoir finalement un développement différent. C'est-à-dire que le corps va s'adapter à cette réalité et les codes de la relation entre les hommes va également s'adapter à cette réalité. Et même l'imaginaire. Alors, c'est pas un exemple de moi, c'est un exemple d'un géographe très connu, Jean-François Dombremez, qui a fait ce travail chez les Tibétains à l'époque où le Tibet existait encore. Et il y a un peuple qui vit dans les plaines où il y a de l'eau, des fruits, une sécurité partout, mais la mousson arrive. Donc ce peuple-là, où il y a des rituels très décontractés, doit monter pour éviter la mousson. Et dans ce cas-là, il faut surveiller les animaux, il faut faire des granges, il faut faire des abris pour la nuit, et on voit apparaître des techniques qui permettent de s'adapter au flanc de l'Everest. Et une partie de ce peuple continue à monter avec d'autres animaux, les chèvres, les yaks, qui eux arrivent à vivre en haut du haut, comme disent les Tibétains. Et, là, et dans ce cas-là, la pente est raide. Et il faut faire attention à tout, parce que la perte d'un animal, la perte d'un enfant ou d'un adulte, c'est une véritable tragédie. Et là, on voit que les rituels deviennent rigoureux, alors que dans les plaines, les rituels sont plutôt décontractés. Et puis, ils arrivent en haut du haut, et l'imaginaire n'est pas le même. Dans la mousson, on passe son temps à chercher la fête qu'on va organiser, les rencontres qu'on va faire, alors qu'au haut du haut,
il y a de la brume, il y a sûrement une panthère des neiges ou un yéti, on ne sait pas très bien. L'imaginaire n'est pas le même. Et puis, surtout, le corps n'est pas le même. Quand une femme est enceinte en haut du haut, le bébé qu'elle met au monde sera tout petit, et si elle met au monde un bébé-fille, ce bébé-fille sera réglé entre 20 et 22 ans. Les mêmes femmes redescendent progressivement quand la mousson est terminée, dans les plaines, les mêmes femmes mettent au monde des bébés plus gros, et si elles mettent au monde un bébé-fille, ce bébé-fille sera réglé entre 12 ou vers 12, 13 ans ou 14 ans. C'est les mêmes, c'est le même équipement chromosomique, c'est les mêmes chromosomes qui s'expriment de manière très différente en haut du haut ou dans la mousson, physiquement, biologiquement et imaginairement. Et du coup, même lorsque l'on rencontre d'autres personnes, lorsque l'on est dans la plaine, on lui souhaite de passer une bonne journée, en quelque sorte, de bien profiter de ce monde, alors que lorsque nous sommes en haut du haut, eh bien, on lui dit que Dieu te protège. C'est ça. Ça veut dire que même cette relation-là, elle est modifiée. Exactement. Quand on est en bas, on se voit, on va aller se baigner, on va aller faire la fête, c'est agréable, mais il n'y a pas cette sensation transcendante qu'on a en haut du haut, qu'on est obligé d'avoir en haut du haut, parce qu'en haut du haut, la mort n'est pas loin. On pense à la mort. Il faut absolument surveiller les enfants, les adultes, les animaux. Il faut les surveiller. Donc là, on rigole plus. Là, il faut vraiment faire attention. Et on voit que non seulement les rituels ne sont pas les mêmes, mais la manière de vivre ensemble n'est pas la même. Et on pense à la mort, donc on doit triompher de la mort. On perçoit le mort. Mais on ne peut que se représenter la mort. Donc là, on est capable d'habiter et d'éprouver un monde totalement impossible à percevoir, la mort. On ne peut que cela représenter. Alors, est-ce que l'idéal humain serait de rester dans la plaine, là où la vie est agréable, et puis voilà, la vie est belle, on reste là, pas besoin de se mettre des défis à surmonter, on n'a qu'à rester en bas et on sera heureux? Et non, on n'a qu'à rester en bas, et on aura un moment de bien-être et on ne sera pas heureux. Parce que les paradis sur Terre sont des pics de suicide. Parce que la vie n'a pas de sens. Et que, pour que la vie ait un sens, il faut qu'on triomphe de quelque chose. Il faut qu'on soit plus fort que la mort. Il faut qu'il y ait des rituels d'accueil qui nous permettent de comprendre que la mort fait partie de la condition du vivant. Si on meurt un jour, c'est parce qu'on a eu la chance d'être vivant. Donc ça fait partie de la condition de la mort, c'est la vie, ça fait partie de la condition du vivant. Mais dès cet instant-là, il faut qu'on se mette à l'épreuve, le baptême, la bar mitzvah, il faut qu'on se mette à l'épreuve pour se donner la preuve qu'on est capable, qu'on mérite d'être plus fort que la mort. Et à ce moment-là, les adolescents, on leur fait des rituels, on leur offre des rituels d'accueil qui sont des mises à l'épreuve. Tu vas aller, alors je cite toujours le film de Jean Rouch, La chasse au long et à l'arc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, c'est une petite merveille. Tu as 12 ans, 13 ans, tais-toi, tu es un enfant, tu étais encore trop jeune, tu n'as pas l'expérience de la vie. Tu as 13, 14 ans, tu n'es plus un enfant, tu n'es pas encore un adulte, on ne sait pas comment se comporter avec toi, mais tu vas aller dans la forêt, et là, les lions, les mauvais esprits vont te surveiller, tu vas avoir peur. Mais on va te dire comment il faut faire pour triompher, pour être plus fort que la mort, pour être plus fort que les mauvais esprits. Il suffit de réciter, il suffit de chanter, il suffit d'avoir des objets qui sont... Et à ce moment-là, quand tu reviendras, tu auras été plus fort que la mort, tu seras initié, ta parole sera celle d'un jeune adulte, on va t'écouter. Toutes les cultures ont inventé des rituels comme ça. Sauf peut-être notre culture occidentale qui a oublié. Et notre culture occidentale a mis une sorte de rituel d'accueil qui est bien plus cruel, ce qu'on appelle le baccalauréat. C'est-à-dire que ça dure un an ou deux. Tu sais, tu vas te préparer le bac, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, notre culture, là, est défaillante. On n'accueille plus les jeunes. Il faut qu'on les mette à l'épreuve, mais qu'on les rende plus forts, qu'on les sécurise et qu'on leur apprenne à être plus fort que l'épreuve, et là, on pourra les écouter. – Et qu'on leur offre une place, justement, pour montrer qu'ils ont un rôle à jouer dans cette société. – Voilà. Vous expliquez que dans un monde où tout serait bleu, la notion du bleu ne pourrait pas être appréciée. Nous, dans notre langage talmudique, on dirait, on ne connaît la liberté que parce que nous sommes passés
en étant esclave en Égypte. Est-ce qu'on a besoin effectivement des contraires pour apprécier ce que nous avons et ce que nous possédons ? Alors, je vais reprendre ce que vous venez de dire. Neurologiquement, si on a le système de la récompense et le système de la punition, on parle comme ça en neurologie, sont accouplés. Si on vous récompense, vous venez de traverser le désert, puisque vous me l'avez dit, je vous offre un verre d'eau. C'est le grand bonheur. Et puis, il y a une loi qui vous oblige à boire 100 verres d'eau par repas. C'est la souffrance. C'est-à-dire que dans un univers où tout serait bleu, où il n'y aurait que le bleu, on ne pourrait pas prendre conscience du bleu, parce que pour prendre conscience de la couleur bleue, il faut qu'il y ait une autre couleur que le bleu. Dans un univers où il n'y aurait que du bonheur, ce serait insipide. Il faut qu'on prenne conscience qu'on triomphe. Il y a aussi dans la vie, il y a toujours des moments difficiles et il y a aussi des moments merveilleux. Et si on se prépare à ça, à ce moment-là, toute la conscience est éveillée. Ce que vous venez de dire, c'est qu'on a le goût de la liberté parce qu'on a été esclave, mais qu'on est contraint à travailler à la liberté. Donc il faut constamment qu'on cherche autour de nous et en nous qu'est-ce qui peut nous permettre de préserver cette liberté. Notre vie a pris sens. Notre vie prend sens, alors que si c'est toujours le même, une information qui est toujours la même n'est plus une information, c'est un engourdissement psychique, et c'est probablement pour ça que dans les paradis sur Terre, il y a beaucoup de suicides. Nous trouvons d'ailleurs dans ce sens-là, effectivement, cette obligation dans la Torah qui est souvent rapportée, de dire « souviens-toi du jour de la sortie d'Égypte, souviens-toi du moment où tu étais au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah », c'est-à-dire que ne t'habitue pas aux choses, fais comme si c'était aujourd'hui la première fois que tu recevais la Torah, comme si c'était aujourd'hui que tu quittais le système de l'esclavage égyptien, peut-être justement pour profiter et prendre conscience de la chance d'avoir la liberté, les valeurs, les codes de loi et tout ce qui nous accompagne. C'est mot à mot ce que j'ai éprouvé après la guerre de 40, où je me disais, tu as la chance d'être vivant, tu as perdu ta famille, mais tu as la chance d'être vivant, il faut que tu goûtes chaque jour. Et ça serait presque un crime de ne pas chercher chaque jour à trouver quelque chose d'intéressant, une rencontre intéressante. Tu n'as pas le droit de ne pas chercher tous les jours à découvrir quelque chose. Justement, si vous me permettez d'aborder cette question un peu personnelle, puisque vous abordez cette période de la Seconde Guerre mondiale, du sortir de la Seconde Guerre mondiale, nous savons que les mots peuvent amener également une thérapie. Est-ce que l'écriture peut amener une thérapie ? Est-ce que pour vous, personnellement, vu votre parcours, votre histoire, est-ce que vous trouvez une thérapie à l'écriture à travers toutes ces valeurs de résilience, de trauma qui sont abordées ? Alors, les mots parlés n'ont pas le même effet ni la même fonction que les mots écrits. Quand je parle avec vous, vous êtes co-auteur de mon discours. Vous venez d'hocher la tête, vous souriez, donc je sais que vous m'encouragez à continuer. Si vous aviez froncé les sourcils, j'aurais organisé mon discours. Vous n'avez pas dit un mot, vous êtes co-auteur de mon discours. Dans les mots écrits, au contraire, je suis avec un lecteur imaginaire qui va me comprendre à la perfection si je me fais comprendre à la perfection. Il y a donc une élaboration moins spontanée, plus travaillée, plus profonde, plus intime, dans les mots écrits que dans les mots parlés. Et je vais chercher les mots, je vais bien chercher à les agencer de façon à en faire un récit. C'est-à-dire que je maîtrise le monde intime qui m'avait échappé au cours du traumatisme. Au cours du traumatisme, j'avais été dépersonnalisé. J'étais traumatisé, j'étais enfermé, je savais que j'allais mourir, donc j'étais plus propriétaire de mon existence ni de mon âme. Dans les années d'après-guerre, j'ai décidé de devenir écrivain. Et mon frère d'âme, Georges Perec, au même âge, a eu exactement la même réaction. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que ses parents étaient morts, puisque ses parents étaient disparus. Ce n'est pas pareil. Il attendait leur retour. Et donc, il était hébété et mauvais élève, parce que la vie, il attendait. Et puis un jour, il a compris que ses parents ne reviendraient jamais, donc ils étaient morts sans sépulture, et il a décidé de devenir écrivain pour leur offrir une sépulture. Je vais raconter la vie de mes parents, et mes parents, désormais, auront eu une mort digne.
beaucoup de gens qui ont connu mon expérience ont réagi de la même manière. Mais ceux qui n'ont pas réagi de la même manière ont eu du mal à s'en sortir. Ceux-là sont restés prisonniers du passé. Alors que la fonction de l'écriture, c'est je reprends possession de mon monde intime, je vais chercher les mots, je vais vérifier. Ce n'est pas le discours spontané, c'est l'élaboration. Et dans l'élaboration, il y a labeur, il y a être sur terre, labourer. C'est-à-dire que j'ai les pieds sur terre, je dois chercher les sensations, les faits réels, de façon à pouvoir les agencer pour en faire un récit. On retrouve l'idée de tout à l'heure, mais là, je reprends un peu de liberté, puisque c'est moi qui décide ce que je vais écrire. On sait qu'à, par exemple, à Auschwitz, il y avait une interdiction formelle d'écrire. Et pourtant, nous savons, parce que nous avons retrouvé certains écrits, que... Il y avait cette volonté de laisser une trace, d'écrire et de se réapproprier peut-être son présent. Mais oui, Charlotte Delbault, Anna Novak, Paul Celan, tout le monde écrivait à Auschwitz alors que c'était interdit. Et Anna Novak prend des sacs de gros papier, elle les dilacère et elle écrit sur ces bouts de papier qu'elle cache. Et là, on a presque un travail expérimental de la mémoire. C'est que Anna Novak, elle a 14 ans quand elle est à Auschwitz. Elle écrit, elle risque sa vie tellement la contrainte à écrire est importante parce que c'est une forme de liberté. Donc elle écrit et 15, 20 ans, je ne me rappelle pas, après, elle retrouve ses bouts de papier et elle est stupéfaite parce que ce qu'elle a écrit ne correspond pas du tout à ce qui est dans sa mémoire. C'est une preuve de mémoire saine, puisque après la guerre, elle a rencontré des gens, elle a refait des études, elle s'est resocialisée, elle a réappris à aimer, donc elle a continué ce processus de liberté dont le premier pas était l'écriture. Et on a le témoignage inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écrivent et ce qu'ils ont écrit mot à mot 30 ans après, c'est exactement les mêmes mots. Et là, ça pose un problème de la mémoire traumatique. C'est que la mémoire traumatique, elle est composée comme à travers un canon de fusil, ou comme à travers une loupe. Ce qui est au centre de la loupe, hyper précis, c'est vraiment gravé, imprégné. Et ce qui est autour, c'est confus parce que ça n'a pas de valeur adaptative. J'ai pas besoin, si quelqu'un me menace, j'ai besoin d'être très attentif à sa menace. Autour, ça n'a pas de valeur de survie. Donc ma mémoire est divisée entre un morceau hyper attentif et un morceau flou. Et donc la mémoire dépend de l'intention dont on parlait tout à l'heure. Si je veux raconter des faits précis, ça va être au détail près, c'est gravé jusqu'à toute ma vie. Mais qu'est-ce qui se passait autour? Autour, je ne sais pas, c'est flou. Donc la mémoire est précise et floue. Donc selon la manière dont vous allez poser la question, vous allez en conclure que la mémoire traumatique est précise ou floue, mais c'est vos questions qui auront induit la réponse. Zalmen Gradovsky était un membre des Sonderkommando Auschwitz-Birkenau. Avant d'être assassiné en 1944, il avait enterré deux manuscrits près des crématoires qui ont été retrouvés après la guerre. Chers découvreurs de ces écrits, j'ai une prière à te faire. C'est en vérité mon essentielle raison d'écrire, que ma vie condamnée à mort trouve au moins un sens, que mes jours infernaux, que mon lendemain sans issue atteignent leur but dans l'avenir. Je ne te rapporte qu'une part infime, un minimum de ce qui s'est passé dans cet enfer d'Auschwitz-Birkenau. Nous les conduisons, nos chers, nos tendres, nos bien-aimées sœurs. Les fours flambent et grondent comme des vagues de tempête. Ils brûlent d'un feu allumé depuis longtemps déjà par les mains de ces barbares et assassins du monde qui espèrent, par sa lumière, repousser les ténèbres de leur monde d'horreur. Le feu brûle, haut et clair, en toute tranquillité. Nul ne l'entrave, nul ne tente de l'éteindre. Vaste monde libre, verras-tu un jour cette haute flamme? Et toi, homme libre, sache que c'est le feu de l'enfer qui brûle sans cesse. Un jour, ton cœur gelé se réchauffera peut-être à leur feu et fondra. Et tes mains froides, tes mains glacées viendront ici éteindre ces flammes. Cet enfer, qu'il brûle ici à jamais,
et que soient dévorés dans ses flammes ceux qui l'ont allumé. En parlant de la mémoire traumatique, vous rapportez cette expérience avec les rats, 100 rats qui ont été noyés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce double trauma? Ça veut dire que lorsque l'on est confronté pour une deuxième fois à un traumatisme, on va avoir une réaction différente si, lors du premier traumatisme, on avait été sauvé, accompagné ou complètement abandonné à nous-mêmes. Voilà, parce que quand on a été sauvé, on garde dans la mémoire qu'après un trauma, on a été sauvé. La mémoire est donc déjà modifiée. Alors ça, c'est une vieille expérience qui illustre bien ce qu'on est en train d'échanger. C'est Porceau qui avait fait cette expérience. Il avait pris un lot de 100 rats, il les avait mis dans une sorte de petite piscine, un tube à essai, et il chronométrait combien de temps il nageait. Et quand les rats coulaient, il les sortait de l'eau. La moyenne sur une série de 100 rats, la moyenne, autant que je me rappelle, était, on va dire, de 20 minutes avant que les rats se laissent couler. Puis il prend des rats que, avant les mettre dans le tube à essai, il les avait stressés, des lumières fortes, tapés dans les mains, il les avait affolés, ils avaient mal nourri, il avait rompu les rythmes du jour et de la nuit. Il prend une série de 100 rats, c'était le même équipement génétique. Hein. Il prend cette série de 100 rats, il les met dans la même situation et ces rats se laissent couler au bout de 10-15 minutes. Il prend, donc ils n'affrontent pas la mort. Il décroche de la vie très rapidement. Puis il prend une troisième série de rats qui ont été bien élevés, si on peut dire. Il les met dans ce tube à essai. Mais il les sort, au moment où ils coulent, il les sort, il les sèche, il les nourrit, donc il modifie leur mémoire. Dans la mémoire du rat, il y a « j'ai fait un effort, j'ai coulé, mais j'ai été sauvé ». Et quand il les remet dans un tube à essai, il constate que ces rats qui ont été sauvés affrontent la lutte contre la mort pendant 25 minutes. Alors ça, c'est une manipulation expérimentale, mais qui a été faite dans beaucoup de guerres ou de tremblements de terre, dans beaucoup de catastrophes naturelles ou culturelles. On constate le même phénomène. Ceux qui ont été aidés après la catastrophe, aidés humainement. Une parole, une tasse de café, une relation humaine, c'est pas la peine d'aller chercher. Il y avait quelqu'un. Ceux-là, lorsque un tremblement de terre recommence ou lorsque la guerre réapparaît, affrontent mieux. On dit qu'ils sont aguerris. Alors que ceux qui ont été laissés seuls après un trauma, dans la mémoire, ils ont « je suis seul, je souffre, personne ne va m'aider ». Et ceux-là sont encore plus vulnérables quand un deuxième tremblement de terre ou une deuxième guerre apparaît. On dit qu'ils ont été vulnérabilisés. On retrouve le schéma de tout à l'heure. Selon la manière de poser la question, on peut en conclure qu'un trauma renforce ou qu'un trauma vulnérabilise. Mais ce qui fait la différence, c'est le soutien après le trauma. Quel est le nouveau modèle aujourd'hui de la cellule familiale? Vous l'abordez dans votre ouvrage, dans toute la dernière partie. Quelle est la place maintenant du couple dans la société? Quelle est la vision que le couple porte sur leur progéniture? Aujourd'hui, on sait que lorsque l'on a un enfant, ce n'est plus pour l'envoyer à la guerre ou pour l'envoyer dans les mines pour travailler, mais que c'est quelque part la concrétisation d'un amour qui existe au sein du couple. Est-ce qu'il y a eu cette modification? Qu'est-ce qui a amené cette modification au sein de la cellule familiale? Alors, je pense que c'est notre nouvel environnement, il est complètement modifié par la technologie. Le monde humain, c'est le monde de l'artifice. Le mot artifice de l'outil et artifice du verbe dont on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est le monde humain. Mais avant d'arriver au monde humain, on a eu le monde de la biologie, le monde animal aussi. Et on débarque dans le monde humain. Or, le sexe et le mariage prennent une signification totalement différente selon le contexte culturel. Mettre au monde un enfant, pendant très longtemps, ça avait une fonction sacrée. Mettre au monde une âme pour adorer Dieu. Puis ensuite, quand il a fallu faire des guerres, parce que la violence a été une valeur adaptative, c'est les guerres, c'est la violence qui a fait les frontières, c'est la violence qui a fait la hiérarchie sociale, c'est la violence qui a fait le courage de certains hommes et de certaines femmes. Et donc, la violence a une valeur adaptative à la guerre, au malheur de l'existence, aux difficultés de l'existence.
Et à ce moment-là, mettre au monde un enfant, c'était de préférence mettre au monde un garçon pour l'envoyer à la mine, travailler 15 heures par jour, 6 jours par semaine, ou pour faire la guerre. Donc ce rapport de domination qui ont été une fonction d'adaptation, finalement, ce n'était pas un cadeau, parce que tout le monde en souffrait. Les femmes, bien sûr, les enfants, les animaux, et les hommes humains, eux-mêmes en souffraient, puisque seule une minorité d'hommes, les aristocrates, qui 4 ou 5 % de la population, avaient la même espérance de vie que nous, avec un monde cultivé, et aussi ils le payaient, parce qu'il y avait une extrême violence dans la famille pour accéder au pouvoir. Depuis pas longtemps, depuis quelques générations, on aimerait vivre sans violence et sans rapport de domination. Et dans ce cas-là, mettre au monde un enfant, ça prend une signification très différente. Comme vous l'avez dit, mettre au monde un enfant, c'est pour l'accomplissement. L'accomplissement du couple, l'accomplissement de la famille. Mais la technologie a modifié notre environnement. La troisième couche, la troisième niche sensorielle, c'est celle de l'artifice. Or, la technologie a complètement modifié cet environnement. Et on sait maintenant qu'un jeune qui arrive au monde, il va avoir 6 à 8 métiers différents et il risque d'avoir 3 à 4 couples différents. Et là, ça pose un problème. Quelle est la structure familiale quand moi, jeune fille, je vois cet homme qui est mon deuxième beau-père, ou celui-là qui est mon troisième beau-père, ou celui-là, ce garçon qui est mon demi-frère, celui-là est mon tiers de frère, celui-là est mon quart de frère. Où est la structure familiale ? La structure familiale, elle est pas claire. C'est presque angoissant. Et la famille, si on continue comme ça, la famille ne sera plus le lieu de la sécurité. Pour qu'un enfant puisse se développer, pour qu'un enfant éprouve le plaisir de découvrir le monde et le plaisir d'apprendre, il faut qu'il soit d'abord sécurisé. J'appartiens à cette famille, j'appartiens à ce foyer, ce quartier, j'appartiens à cette langue, j'appartiens à cette religion, cette culture. Et le sentiment d'appartenance, c'est le soutien constant. Avec un piège, c'est que si je n'appartiens que à une seule famille, à une seule religion, je risque de me faire une morale perverse. C'est-à-dire, je vais être hyper moral avec les gens de ma famille, de ma religion, et je vais être pervers avec ceux qui ont une autre religion, parce que s'ils souffrent ou s'ils meurent, c'est vraiment pas mon problème. Et donc je suis moral dans le clan et pervers en dehors du clan. Et il me semble qu'actuellement, notre culture évolue. C'est peut-être encore rattrapable, mais on évolue vers un système comme ça, où on se sécurise. Alors actuellement, notre président emploie le mot séparatisme, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on évolue vers un système où on se sécurise avec un tout petit groupe clos. Et si le groupe est clos, il devient dangereux parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il y a celle de mon chef. Et ça peut être, à ce moment-là, tous les autres sont les mécréants qui méritent la mort, ou s'ils meurent, c'est plutôt bien. Donc on se fabrique. Les enfants ont changé de signification, le couple a changé de signification, la famille aussi, mais si on ne s'ouvre pas, on est sur la crête de la clôture. Donc nous voyons bien à quel point l'homme fait partie de l'ensemble de la création et qu'il y a une interaction finalement dans les deux sens. L'homme a une influence et puis il reçoit également beaucoup de son environnement, même du climat et de l'écologie dans lequel nous vivons, dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire l'influence du milieu sur l'individu. Boris Cyrulnik, merci beaucoup. Merci pour cet échange lumineux sur notre présent qui nous permet effectivement de réétudier et de se réapproprier notre passé. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.